Bonjour les enfants, c'est papa. Ce message est pour les artistes, parce que j'ai appris que ben voilà, il y a des artistes qui ont eu une autorisation de manifestation demain. Chers artistes camerounais, vous êtes déjà dans le cercueil. Et en ce moment, c'est le couvercle qui va se refermer sur votre cercueil si vous ne faites pas attention. Le peuple camerounais ne vous pardonnera pas la roublardise, hein, ni le mensonge. J'ai lu le communiqué. Vous avez reçu et demandé une autorisation de commémoration des morts de Koumba. Je ne sais pas si ça a un rapport quelconque avec ce que le peuple camerounais vous demande. Il vous demande une manifestation. Mais vous, vous avez une autorisation d'aller organiser un concert, parce que c'est comme ça que j'ai traduit votre papier, d'aller organiser un concert à l'intérieur, c'est-à-dire qu'on vous a enfermé à l'intérieur de l'esplanade du lycée bilingue de Yaoundé, c'est-à-dire à l'intérieur, vous êtes enfermé dedans. Vous allez faire quoi? J'ai vu que votre truc est apolitique. Je vous rappelle que le problème de Koumba est un problème politique. Chaque action qui est menée dans le but de mettre en lumière ou de commémorer, ou de quoi, c'est une action politique. La commémoration est une action politique, mais soyez un peu intelligents, les gars. Là, vous venez jouer à un jeu extrêmement dangereux et je suis inquiet pour vous. Parce que vous voulez tromper. Le peuple ne supportera pas une roublardise. Hein. C'est on vous a amené jusqu'au bord du précipice et aujourd'hui, vous ne savez pas quoi faire. Je vous comprends. Vous avez vu, le peuple vous dit, faites comme les Nigériens. Les Nigériens n'étaient pas enfermés dans la cour d'une école ou d'un lycée. Ils étaient dans la rue en train de marcher. Les Nigériens étaient en train d'interpeller le gouvernement nigérien, en train de demander la démission du président nigérien. Ils n'étaient pas en train de se balader, en train de commémorer les victimes de violences policières. Donc vous-même, vous vous êtes mis dans l'art de la distraction, l'art d'être hors sujet. Parce que votre manifestation que vous êtes en train de vouloir organiser à l'intérieur du lycée bilingue, papa appelle ça de la manipulation et de la tromperie. Soyez honnêtes, les gars. Je sais que le challenge là est dur. Je sais que ce n'est pas facile. Et je sais que beaucoup d'entre vous sont tellement compromis. Vous êtes tellement compromis. Vous attendez tellement les miettes. Mais en même temps, vous voulez buzzer. Donc vous vous mettez dans une situation où, en fait, vous voulez faire un buzz, mais sans risquer les conséquences qui vont avec. Si ce n'est pas le gouvernement qui vous tape, c'est le peuple qui va vous sanctionner. L'un ou l'autre. Le peuple ne va pas accepter une autre roublardise. Donc soyez intelligents, les gars. Vous savez que je vous kiffe, non, les gars? Moi, je vous aime beaucoup. Vous êtes ma famille. Et là, je suis en train d'être inquiet pour vous. Je regarde sur Internet, je regarde sur les murs des artistes, je regarde sur tous vos murs, et il n'y a rien, rien, rien qui annonce même votre truc qui aura lieu de mon lycée bilingue. Moi, j'en parle même. Si tous les Camerounais pouvaient se retrouver avec vous de mon lycée bilingue, ce serait déjà pas mal. Ce serait déjà pas mal. J'invite tous les Camerounais à rejoindre tous ces artistes au lycée bilingue pour faire monter leur voix beaucoup plus forte encore. Mais à vous les artistes, s'il vous plaît les gars, soyez honnêtes. Soyez honnêtes. On vous a demandé une manifestation d'interpellation du gouvernement sur la situation dans le nord-ouest et le sud-ouest, principalement au Koumba. On ne vous a pas demandé d'organiser une cérémonie de commémoration des victimes. Vous voulez tricher. Et papa, il n'aime pas. Il n'est pas d'accord avec vous. Je suis désolé, c'est mon point de vue. Et lundi, vous allez voir le score vous-même. Lundi, vous allez voir le score. Et vous allez vous rendre compte que l'autorisation que le gouvernement vous a donnée, en fait, c'était un cadeau empoisonné. Et qu'ils vous ont sacrifié à l'autel de la frustration du peuple camerounais. Le peuple camerounais mérite des artistes forts. Soyez ces artistes-là. Le peuple camerounais mérite des artistes qui ont l'amour, la détermination, qui sont capables de prendre un risque. Soyez ces artistes-là. Trichez pas, les gars. Trichez pas. Papa vous regarde
Et le couvercle de votre cercueil est déjà bien placé comme ça. Et vos corps sont déjà bien installés dans le cercueil. À vous de savoir si vous voulez sortir du cercueil, la tête haute. Ou alors si vous voulez que le peuple camerounais couvre, ferme le couvercle du cercueil et vous enterre. C'était papa. Bonne chance pour demain à la famille.